Inexorablement, l'on s'achemine vers la fin de l'année 2018. Madame, Monsieur, bonjour et salut. Et bienvenue à cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision. Vous le savez déjà, c'est les faits de société ou tout simplement les faits divers. C'est tous les samedis lorsqu'il est 12h30. Un mort et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan d'un mouvement d'humeur survenu ici même dans la capitale économique Douala. C'était au lieu dit Kanyabassi, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. À l'origine, donc, une opération de casse qui n'a pas été du goût des habitants de ce quartier. Il y a une personnalité du Cameroun qui se réclame donc le droit de propriété de la plupart des espaces, lesquels espaces d'ailleurs occupés par les commerçants. Une circulation ne peut plus difficile ce jour du fait de ce mouvement d'humeur. Pendant plusieurs heures, il était difficile pour les automobilistes et usagers de la route tout simplement de circuler en ces lieux. Il a bien fallu la présence ou l'intervention des forces de l'ordre et des sécurités, de même que quelques responsables de la ville de Douala, pour ne pas dire l'autorité locale, à l'exemple du sous-préfet. La réaction de quelques riverains qui ne se sont pas empêchés de s'exprimer au micro de l'autre info. Les forces armées sont venues intégrer le quartier. Pourquoi ? Pour une histoire de vente au terrain que le quartier n'avait pas tenu, n'avait pas été tenu informé pour cette casse-là. Alors ils ont surpris les autochtones du quartier avec des forces de l'ordre. Finalement, ça a engendré l'embouteillage. On ne peut plus travailler, on ne peut plus se débrouiller. Les boutiques sont fermées pour le trouble. On évite qu'on adresse des gens et les Biafrais perdent leurs choses. Moi, j'ai dit que ce n'est pas bon qu'on dérange Douala. Ce n'est plus bien qu'on dérange Douala. Ça ne va pas. Ça ne va pas, tu as bien compris. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui se passe, c'est que, regardez, un bon milieu de la ville, les gars viennent pour construire dans une société. C'est pas d'abord normal. L'État n'a même pas. Ce que je vais vous dire, il y a eu une opération qui s'est menée ici. Ce que je ne sais pas trop, on a enlevé le dépôt de planches il y a 3 semaines. Et on a eu une information que le propriétaire de ce dépôt de planches a invité à rencontrer le chef du village, le chef de quartier, pour faire une prise de contact avec sa chaufferie en tant que le nouveau voisin. Et il faut aussi noter qu'après qu'on a déménagé le dépôt de planches, il a balisé son terrain avec les tôles. Il a clôturé son terrain. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, déjà, c'est la semaine passée déjà que ça commence. C'est la semaine passée déjà que ça a commencé. Ils sont venus là. Ils disaient qu'ils voulaient continuer, faire l'extension de la casse. Oui. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Votre voiture a été cassée? Oui, ma voiture a été cassée. Ma voiture a été cassée. Ce que je déplore, c'est que ceux qui sont venus faire le travail devaient essayer de dialyser le terrain. Mais ils viennent, ils commencent le travail alors que nous sommes dans un marché sans vouloir sécuriser les populations. Hein? De ce quoi, quand les prostatateurs visent les cailloux, ils versent le gaz lacrymogène, les gens vont à des bagarres de tout et tout. Les conséquences, il y a un enfant qui est mort, il y a les chars qui s'est brûlé, les voitures qui sont cassées, ils ont quand même cassé les pieds, qui n'est pas normal. Notre homme de situation, Jules Port, ne s'est pas empêché de retenir ou de capter quelques temps forts de ce triste moment qui a, on ne peut plus déboussoler la plupart des Camerounais qui ont vécu cette scène. Je vais te donner un
Quittons la ville de Douala pour nous rendre à présent du côté de Nkonsamba, c'est dans le département du Mungo, région du littoral, pour parler de cet accident de la circulation survenu à Nkonsamba. Deuxième, il s'agit d'un gros porteur qui a terminé sa course à même le sol. Heureusement qu'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels, des pertes énormes. Voici à ce propos la réaction de quelques personnes qui ont vécu la scène. C'est au micro de l'autre info. Je suis arrivé ici ce matin, on m'a déposé là-bas, je vous avais mis les produits au champ, les produits que j'ai en main. J'attends seulement derrière moi, et comme je suis malade, au lieu de fuir, au lieu de venir regarder aussi, je ne savais de quel côté aller. J'ai préféré quand même venir voir, je suis venu voir la voiture touchée comme ça. J'ai vu comment les gens sont venus aider le chauffeur à sortir de notre bord. Mais quand David qui n'a pas, moi j'attends la fin. Parce que c'est quand on va soulever le sac ci, qu'on doit voir. Ça peut tomber comme ça, porter quelqu'un venu mettre à terre pour toucher celui et tout le monde ne sait pas. On attend que la porte pour savoir ce qui se passe. Moi je suis un malade, quand je viens comme ça, je peux faire le sport. Aller au-delà, il faut que tu vois l'incident. Quelques temps forts de cet accident de la circulation, il faut déjà signaler qu'il n'était pas facile pour les techniciens de déplacer ce véhicule. Il a bien fallu qu'on utilise la grue d'un autre gros porteur pour pouvoir déplacer le véhicule. Voici quelques temps forts captés par notre homme de terrain, Apollinaire Kamini. Non, il a qui descend à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Il est parti à l'hôpital. Les amis, bonjour. Je suis le sous-préfet de Kouassamba. Commençons. On peut avoir la confiance. Ça facilite le travail. Et on, chacun, si nous sommes juste là, chacun prend un sac, on dépose là. Hein? Au lieu de croiser les bras et regarder, on libère ce groupe. Mais là, on a une bonne action. C'est pour le libérer. La voiture n'est pas prochaine par rapport au plateau. Bon, c'est vrai que tu vas soutenir, hein. C'est vrai que tu vas soutenir avec la douche. Vas-y. Il faut savoir que tu vas soutenir. Nous ne sommes pas informés. Qu'est-ce qui se passe? On dit donc. C'est ça que je suis en train de courir là. J'ai fait que. C'est mieux d'aller comme ça. Restons à Nkonsamba, mais cette fois dans le troisième arrondissement pour parler de cet autre accident de la circulation. Il s'agit ici d'un conducteur, d'un gros porteur qui, voulant esquiver une voiture qui venait tout droit devant lui, a terminé sa course dans un ravin. Heureusement pour ce dernier, il n'a pas perdu de sa vie. Il s'en est quand même sorti avec quelques petits bobos. Il faut dire que ce n'était pas facile pour ce dernier d'y s'imaginer un seul instant qu'il est en vie. Il s'exprime au micro de l'autre info, malgré quelques douleurs qui le torturaient. 6h, 7h, 6h, 6h.
juste avant que d'arriver là où je suis tombé, là, environ 15 mètres, 15-20 mètres, un petit véhicule qui est passé devant moi. Au lieu de continuer la route, ma maman était libre, donc je ne pouvais pas imaginer la suite. Brutalement, le véhicule a ralenti. Et ma distance ne pouvait pas permettre que je freine derrière lui, sinon je devais le heurter. C'est en voulant l'éviter par la gauche maintenant que je me suis retrouvé. Quand j'étais seul. Oui, actuellement, est-ce que vous vous portez bien? Bon, je peux vous le changer. L'infirmier m'a dit que si aujourd'hui je ressentais mal encore à ma porte là, que je fasse une radio. Et comme j'ai alerté ma hiérarchie, et puis il y a les camarades du village qui sont venus m'aider à. Si j'arrive là d'un moment à l'autre, je vais arriver à l'hôpital. Et vous êtes parti d'où? Et vous allez où? Parti de Douala pour ça. Vous êtes parti de Douala à quelle heure hier? Non, avant dimanche. Et l'incident s'est passé autour de quelle heure? Hier matin, c'est 6h07. Ok. Sinon, en dehors du dégât matériel, rien autre? Non. Ok. Vous êtes qui le chauffeur? Je m'appelle Charles. Qui? Charles. Charles. À Edeya, les populations sont condamnées à inhaler des odeurs pestilentielles à longueur de journée du fait de dames immondices qui a quasiment pris en otage le coin et recoin de cette ville. Nos reporters bien implantés dans cette partie du Cameroun, Didier Nabao et Salomon Beyas, nous en disent davantage. Généralement, à l'approche des célébrations de fêtes de fin d'année, les arbres principaux de certaines villes se voient parés de nouvelles couleurs et font pollueuses. C'est une œuvre des autorités locales qui démontre la suffisance qu'au-delà de toutes les autres actions menées au courant de l'année, à Edeya, cet état de choses est paraît-il définitivement rentré dans les oubliés. Car en plus de l'insalubrité ambiante qui caractérise toute la ville, la particularité à l'approche des fêtes de fin d'année 2018, ce sont ces tas d'immondices qui jonchent les coins de rue. On vit très mal avec cette poubelle parce que les odeurs nous mettent, ça nous met mal à l'aise. Parce que quand nous asseyons ici là pour vivre, pour attendre le chargement, les odeurs, ça peut nous mettre mal à l'aise. C'est rarement qu'on aurait aperçu les camions de la société en partenariat avec la communauté urbaine d'Edeya pour le débarras de ces immondices, rouler principalement sur les axes de passage du convoi du gouverneur de la région qui a séjourné dans la ville d'Edeya les 17 et 18 décembre 2018. Ça peut faire, c'est la 2 mois, 7. Les ordures ne font que s'ajouter. Quand ça s'ajoute comme ça, là, il n'y a pas moyen de respirer ici. Comme pour dire qu'il va falloir l'arrivée de la plus haute autorité étatique pour voir toute la ville nettoyée de toute déjection. Toujours à Edeya, et cette fois on parle de la poussière, difficile pour les populations de cette partie du Cameroun de se mouvoir sans qu'une bouffée de poussière ne leur soit imposée. Comment ces populations vivent-elles ce cauchemar? Suivons plutôt ce reportage. De nombreuses pathologies surviennent souvent des bains de poussière dans lesquels sont plongées les populations en période de saison sèche, dans les routes carrossables au centre-ville de Massouk-Sonlo. Surtout avec le passage constant des camions à billes de bois, la poussière est la caractéristique principale et commune des usagers de la route. Ça entre jusqu'aux chambres, on ne peut pas respirer. Tous nos enfants tombent malades. Qu'est-ce que vous voulez? Des routes qui, au moment de leur infection, n'avaient besoin que d'être immédiatement arrosés, question de compacter la terre et éviter la mise en place de la poussière, comme c'est le cas actuellement, et dont l'État plonge la cité dans une très grande torpeur. Dérange. Quand on étale les habits, ça devient rouge. Vivement que les autorités de la localité mettent la main dans la pâte pour résoudre véritablement ce problème qui est une préoccupation particulière des populations de la localité.
D'autres populations qui en souffrent, ce sont celles de Niala, ici même à Douala, dans le 3e arrondissement. Depuis plusieurs mois, celles-ci sont sans eau potable et pour cause, une grosse conduite qui a lâché. Malgré les multiples plaintes, ces populations ont comme impression et qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Plus de précisions dans ce reportage. De l'eau qui coule à flot sur la chaussée, et c'est ainsi depuis quelques jours, témoin des riverains. Pourtant, les mêmes riverains disent qu'ils sont sans eau potable depuis environ 4 mois. Un contraste qui suscite des curiosités. Nous sommes au quartier Niala, au lieu dit Kember, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Ici, c'est un vent de tristesse qui s'abat sur ces populations et un nuage de détresse qui couvre ce quartier et pour cause l'absence de ce qui est considéré comme source de vie, à savoir l'eau. Ça fait près d'un an que nous peinons pour l'eau. Nous parcourons près d'un kilomètre pour aller dans le bas-fond pour nous trouver de l'eau. On nous parle soit d'une vanne qui serait enterrée, on ne sait où, et que la vanne serait fermée. D'après cet auxiliaire de l'administration, plusieurs démarches ont été entreprises auprès des responsables en charge du traitement et de la distribution de l'eau. Par la même occasion, des copies ont été remises aux sous-préfets et autres autorités ayant compétence d'intervention dans cet arrondissement. Seulement, tous ces efforts n'ont eu pour résultat que le dilatoire. J'ai rencontré le chef, qui est une dame, Madame Pundi Catherine, que je n'ai cessé d'appeler, et elle m'a toujours dit « ça va s'arranger, ça va s'arranger ». J'ai demandé que les quittances de Kamouette ne passent plus au quartier, parce que nous ne pouvons pas vivre dans le désarroi et continuer encore à payer d'énormes sommes d'argent pour ce que nous ne consommons pas. Une situation qui a contraint les populations à se tourner vers le forage. Même si l'on n'est pas certain du traitement régulier de ce forage, pour les habitants de ce quartier, cela reste pour l'instant la seule solution. Cette femme, propriétaire d'un forage, reçoit un minimum de 100 personnes par jour. 20 litres sur 25. Oui. Et pour moi-même, ça m'aide d'abord beaucoup. Ça m'aide beaucoup parce que nous sommes beaucoup à la maison. On ne peut même pas compter le nombre de gens qui prennent. Oui, parce que tu ne peux même pas, parce qu'une personne peut venir priser même l'eau, même 3-4 fois. Quelqu'un peut venir priser le matin et après ça finit, il revient encore. Une estimation de personnes, vous estimez 150, 200? Oui, ça peut être même 200, 150 à 200 personnes par jour. Alors que nous arrivions en ce lieu, ce lundi, une équipe de techniciens s'y trouvait au fin de faire une évaluation des travaux à effectuer. Mais en attendant, les populations de Niala croupissent dans une misère hydrique. Une situation on ne peut plus déplorable, comme le pensent d'ailleurs les populations de cette partie du Cameroun. Un doyen, victime donc de cette crise d'eau potable, ne s'est pas empêché de s'exprimer lui aussi au micro de l'autre info. Nous l'écoutons. Depuis août 2018, nous n'avons plus d'eau. On croyait que c'était une panne et qu'ils vont dépanner, mais nous avons constaté que nous avons été abandonnés jusqu'à ce jour. Comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner en eau? Au départ, on s'approvisionnait dans les sources. Après, il y a eu des bonnes volontés et des commerçants qui ont créé des forages par-ci, par-là. C'est cette eau de forage qui nous sert de ménage et même de boisson. Alors, j'imagine qu'avec les enfants, ce n'est pas chose aisée. Comment vous faites pour sensibiliser ces enfants-là pour qu'ils ne boivent pas n'importe quelle eau? Nous ne pouvons rien faire parce qu'on n'a pas d'armes. Nous buvons l'eau de forage. On ne sait pas comment ça se fabrique. On ne sait pas quel est l'état bactériologique de leur forage.
on la consomme. Comment comprendre cette crise d'eau potable dont sont victimes les populations de Niala dans le troisième arrondissement de la ville de Douala? La direction générale de la Kanwata s'exprime via le directeur ou son directeur de l'exploitation. Il est au micro de l'autre info, nous l'écoutons. Niala est situé à peu près à quelques kilomètres de la station de traitement qui se trouve au niveau de Japoma. Comme c'est la conduite de refoulement, on ne fait pas de branchement là-dessus. Donc on envoie d'abord au niveau de Bassa. Et la conduite qui alimente Niala sort de Bassa pour venir alimenter Niala. Donc les conduites de transfert, on ne se raccorde pas là-dessus. Parce que bon, maintenant, ça risque de faire péter des conduites parce que la pression est trop élevée. Vous voyez à peu près maintenant, ces manques d'eau sont dus à plusieurs facteurs. Et vous voyez maintenant, l'eau marche avec l'énergie et l'énergie marche avec l'eau. Et généralement, dès qu'on a des coupures de courant, ça impacte vraiment sur la distribution de l'eau. Et quand on a des longues coupures, et vous voyez incessamment, vous voyez, il y a énormément de baisse de tension et de coupures de courant. C'est une zone, vous voyez, avec la crise économique, on n'a pas beaucoup investi au niveau de la capacité de production. Bon, maintenant, et vu l'augmentation de la population et autres, là, et comme Yalan, j'ai dit, l'eau passe à côté d'eux pour aller au niveau de la station de reprise qui se trouve à Bassa. Et maintenant, c'est Bassa qui distribue l'eau. Au moment du retour, maintenant, s'il y a beaucoup de gens qui se sont mis au niveau en amont, ça peut impacter. Bon, ils peuvent ne pas avoir de temps en temps de l'eau, mais pas couper depuis 4 mois, mais non pas régulièrement. Bon, ils peuvent avoir avec de baisses de pression. Parce qu'en amont, il y a des gens qui consomment déjà cette eau. D'après la direction générale de Kanwata, les techniciens s'activent afin qu'une solution rapide soit trouvée. On annonce d'ailleurs le début des travaux dès lundi prochain à la première heure. Il faut dire que le coût des travaux est évalué à 11 millions de francs CFA. Alors que l'équipe de l'autre info était sur le terrain, donc à Niala, pour s'enquérir sur cet état des choses. Nous avons rencontré quelques techniciens, dont une entreprise adjudicataire qui a donc gagné le marché, qui a évalué donc les travaux qui sont à faire à cet endroit. Donc, attendons de voir si effectivement lundi, les travaux débuteront du côté de Niala. Avant de mettre un terme à cette émission, mesdames, messieurs, voici votre rubrique « Ce qui énerve ». Qu'est-ce qui énerve les populations de Bonamateke ? Suivons ensemble. Ce qui m'énerve ici, c'est l'état de la route. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes depuis un certain temps. Pourtant, la mairie de la localité, c'est Pongo Bakoko. Mais nous sommes abandonnés à nous-mêmes depuis un certain temps. Voilà pourquoi vous voyez comment ce matin, les jeunes se sont motivés. Parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'on s'occupe de nous-mêmes. Ce qui m'énerve dans ce village, c'est parce qu'on a l'impression que le village est abandonné aux jeunes, aux villageois qui souffrent. Nous sommes dans une zone agricole qui peut produire beaucoup de choses à Douala et dans les environs. Mais à cause de la route, à cause de l'oubli, nos mamans, nos grands-parents, nos frères souffrent de tout ceci. Il y a l'huile de palme, les millions d'or que l'arrondissement, que Bakoko Yando peut produire. Mais hélas, ils ne peuvent pas. Le paquet de millions d'or aujourd'hui coûte 350, alors qu'à l'époque, il coûtait 125 à cause de la route. L'huile aujourd'hui coûte le litre à 600, alors qu'il coûtait 200 à cause de la route. Donc ça, vraiment, vraiment, ça m'énerve. Ce qui est choquant et très choquant pour moi, ici, c'est l'abandon des pouvoirs publics de ce village. Ce village est abandonné à lui-même. Vous voyez très bien comment les jeunes se sont mobilisés. Parce que si on ne fait pas ça, personne ne viendra. C'est pour ça qu'on a fait une motivation aujourd'hui pour tous les jeunes. On a fait un communiqué pour que les jeunes se retrouvent. Parce qu'il n'y a même pas de passage. Même les piétons ne peuvent pas passer, si vous remarquez ça, bien. Et ça vous énerve? Oui, et ça m'énerve vraiment. Ce qui m'énerve ici, dans notre village, Bonamkoudi et Yandoum, la route ne passe pas, donc on n'a pas la route. Donc la population côtoie donc dans les maisons, sur les environs, donc les maisons de gens, tout ça. Il y a les mamans qui jettent donc leur nourriture avec leur truc. Ça m'énerve. Ce qui m'énerve ici,
non seulement moi-même, mais et puis la population de Bakoko en général, c'est que l'état de la route n'est pas praticable. La route n'est pas praticable. Bon, il n'y a pas l'accès, comme vous constatez. Et bon, les mardes sont partout là, donc la mairie n'aide pas la population de Bakoko. Prochain rendez-vous de l'autre info, c'est samedi, lorsqu'il sera 12h30. N'oubliez déjà pas les rediffusions. Dimanche 18h30 et puis mardi 9h30. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs. C'est la même équipe et qui a encore été là aujourd'hui. Gilbert Manguet, Tibu Emmanuel, Stéphane Chapchette et puis au montage Solange Na, Gladine Kameni et le métronome Abanzolor. Ce fut un plaisir, mesdames, messieurs. Restez fidèles. Nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Bon samedi à tous et à toutes. À l'instant même, c'est votre émission Ça débarque avec Solange Kiki Beyala. Au revoir.